Avant de commencer, je vous annonce qu'après un mois complet à la Cigale avec mon spectacle, le spectacle de la maturité, je fais des prolongations au Casino de Paris du 7 au 15 février et ensuite en tournée dans toute la France, en Suisse, en Belgique et au Québec en septembre. J'ai hâte de vous y voir, prenez vos places dans la description. Bon déjà, bonne année. Ça y est, on est en 2020, putain. Donc l'an 2000, c'était il y a 20 ans exactement. Excusez-moi, je me suis pris un coup de vieux là. Mais bon, l'occasion est parfaite pour faire une petite vidéo nostalgique, un petit flashback to the past sur cette belle période des années 2000 qui, mine de rien, est une grande période hein, chargée d'histoire qui a son charme et sa poésie. Alors moi, vu que je suis clairement un dinosaure de YouTube, hein, une sorte de fossile, dans les années 2000, j'avais 12 ans. Moi j'ai été nourri, élevé, éduqué avec que des références de cette période-là. Donc en gros, je déconne pas avec ça en fait. Eh, tu dis un truc sur tragédie, je te démarre. Alors déjà, parlons un peu de la mode vestimentaire. Accrochez-vous au pinceau, j'enlève l'échelle. Les casquettes Von Dutch, Echo, Diar, Comate, DDP, Fubu, Scott ou Shot, Shoot. Scoot, jamais su le dire en fait ce truc. Et évidemment les baggies, des frocs ultra larges. Alors attention, la blague préférée des vieux, c'était « Eh, t'as chié dans ton froc ?» Et là, rire général au repas de famille. Alors le concept du baggy, c'est qu'il fallait le porter assez bas pour qu'on voit ton caleçon. Il y a beaucoup de gens qui le portaient tellement bas qu'on voyait leur cul en fait. C'était aussi la mode du pantalon taille basse qui laissait dépasser le string, mais bien dépassé. Alors on sait pas si c'était sexy ou si c'était beauf. Mais qui suis-je pour juger en fait? Je suis qu'une merde dans l'univers moi. Le pantacourt, les colliers tatouages que les meufs mettaient au cou, la cravate sur le t-shirt, le piercing au nombril, les buffalo avec des flammes, le gloss fruité. Hey, je peux goûter ton gloss en te faisant un petit bisou. À la base, moi j'aime trop la fraise. Les chaussures Caterpillar, les bottes Hug ou UGG. Personne ne disait ça en fait. Les lunettes de soleil façon Anastasia, teintées là, ou celles façon Richard Virenque. Les mèches de couleur dans les cheveux, j'en ai eu. Les hauts qui dévoilaient seulement une épaule, les ceintures cloutées, tout le monde avait une période émo qui durait 2 semaines. Et aussi, c'était hyper stylé de mettre une chaîne à son portefeuille. J'en avais aussi une. Et j'avais tellement envie qu'un jour quelqu'un essaye de me piquer mon portefeuille juste pour rentabiliser le truc. Bref, niveau style, les années 2000, vous nous avez pas loupé. Limite, on devrait vous faire un procès. Silence ! Année 2000 ! Vous êtes accusé d'avoir lancé un certain nombre de modes discutables, voire ridicules. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense ? Je préfère laisser parler mon avocat. Je sais pas, faites-moi au moins lire votre défense. Le mec a écrit sur une feuille Diddle. Bon, on rigole, mais on se moque pas trop non plus parce qu'on serait pas ce qu'on est aujourd'hui sans cette belle période qui nous a construite. Maintenant, parlons technologie. Ma vidéo est chapitrée, clairement, j'ai clairement une feuille en fait. Alors moi, je suis parti des gens qui ont connu le passage de 1999 à 2000, c'est-à-dire d'un millénaire à l'autre. C'est un truc de ouf. Et à l'époque, on pensait qu'à ce moment-là précis, il allait avoir une sorte de gros bug général de tous les ordinateurs du monde. Et on appelait ça le bug de l'an 2000. Sauf que finalement, bah, il s'est rien passé. Il y a eu R. Tout va bien. Quand t'allumais ton ordinateur, ça faisait ce bruit. Et on utilisait des webcams. Ce genre de webcam, bien ronde. Alors c'était très typique de cette époque. Je sais pas si vous vous rappelez de la qualité de l'image que ça faisait. On va faire un petit test, on va vraiment la brancher, vous allez voir ce que ça donne. Hop, et voilà, bienvenue dans les années 2000. Bon, le son et l'image sont assez pourris, mais à l'époque, pour nous c'était un truc de ouf. On était déjà hyper contents de se voir et de s'entendre dans l'ordinateur. Donc on critique pas. On continue la vidéo comme ça ou on se remet comme tout à l'heure? Attention, le claquement de doigts un peu ringard. D'ailleurs j'ai retrouvé quelques vidéos que je faisais à la webcam à cette époque. Aujourd'hui est un jour un peu exceptionnel puisque je vais m'en aller d'ici quelques minutes chez le coiffeur. Oui je sais, oui. Oui je sais, merci. Nous voici après le coiffeur. Bien écoutez, je trouve que ce résultat n'est pas non plus des plus réjouissants. Un peu simpliste, un peu moche, un peu de la merde en fait. Donc voilà. Stop, c'est bon. J'en rentre pas plus parce que c'est un peu la honte. Pour moi, les années 2000, c'était vraiment les années des DivX. Je sais pas si vous vous rappelez. Alors un DivX, c'était un CD gravable sur lequel on mettait un film en version ultra compressée, c'est-à-dire en qualité pourrie. On se refourguait des DivX entre nous, des CD gravés, le tout dans des pochettes CD complètement dégueulasses. Mais il y avait un petit côté hacker homemade qui était cool. On écoutait nos sons sur Windows Media Player. Les vrais se rappellent de ces graphismes. Il y avait les baladeurs CD, pour les plus riches les iPod, mais la plupart des gens avaient des lecteurs MP3. Les jeunes de 2020, vous devez rien capter à cet objet. En gros, tu branches sur ton ordi comme une clé USB et tu glissais dessus des chansons du style J'ai longtemps parcouru son corps effleuré, sans foi, sans visage, j'ai trouvé de l'or. Elle te rend ding 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 quand elle a son poum poum chat. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, toi, pousse-moi plus tout ce qu'il veut. Free the time, Paul, I wanna be keeping you warm. Mais t'imagines même pas ce que je ressens pour toi, un truc de dingue, je peux me
même pas mettre de mots sur ça. Comme un coup d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Cette vidéo va être démonétisée. Alors, ce morceau, on dirait vraiment le morceau d'une pub. Avec mon nouveau forfait, je me sens enfin libre. Je peux courir dans les champs, la teub au vent. J'en ai plus rien à foutre. Seulement 29,45€. C'est bon, je m'arrête là, je peux pas tous les mettre, il y en a vraiment beaucoup trop. Après, il y a eu les mini-disques, les MD, pas confondre avec la MD. C'était des trucs comme ça. Ceux qui avaient des lecteurs MD, ils étaient assez rares. Et du coup, ça racontait un peu. Ah, t'as pas de lecteur MD? Mec, ça c'est le futur. Bientôt, tout le monde aura ça. Cet objet sera le plus gros bide commercial de l'histoire. Alors, MySpace. Tout le monde presque était sur MySpace. Et tout le monde était par défaut ami avec Tom, le créateur de MySpace, qui avait une photo de profil qui était toujours la même. Et pendant des années, je me suis demandé pourquoi cette photo en particulier, quoi. Hey, Tom? Ouais. Attends, j'étais pas prêt là. Oh, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas comme si t'allais garder cette photo toute ta vie. C'est clair. Tu pouvais complètement personnaliser ta page MySpace, mais limite fallait une licence en codage tellement c'était compliqué à faire. On devait limite lire des tutos juste pour changer la couleur. Là, on peut voir un petit graphisme de guitare. C'est quand même possible de faire une personnalisation de MySpace, mais ça reste quand même compliqué. C'est marrant parce qu'on mettait en avant nos meilleurs amis sur notre page MySpace. Genre, on était meilleurs amis avec Offspring et Daft Punk. Et le pire, c'est qu'on y croyait un peu. Ouais, sur MySpace, je suis pote avec les Daft Punk, ouais. On s'envoie des petits messages et tout. Ouais? Et vous vous dites quoi? Bah, je sais pas, on s'envoie des petits messages, Tom, Guy, on se boit combien de bière? Enfin, normal quoi. Putain. Et ils te répondent quoi? Bah, souvent ils m'écrivent nouvel album, bientôt dispo. Après voilà, hein, c'est une amitié en construction. Hein. Alors évidemment, les skyblogs, chacun avait son petit skyblog personnalisé sur lequel on postait des articles où on se prenait pour des écrivains écorchés vifs. Cher journal, aujourd'hui je me suis fait larguer comme une merde. Ça faisait 3 jours. Je crois que je suis en dépression. Mes parents arrivent pas à me comprendre, putain. En plus, j'avais gravé une compile avec les Destiny's Child. Tant pis pour elle. Cher MSN, celui qui ne connaît pas MSN ici, dehors. Dehors ? Je ne veux pas te parler ! Le logiciel le plus culte de l'histoire. Ouais, j'ai dit logiciel, ouais. C'était donc un logiciel pour chatter entre potes ou entre collègues, mais clairement, on avait 12 ans, donc... Il y avait le bon vieux Wiz, avec ce mot Wiz. Putain, j'avais oublié ce mot. En fait, quand la personne ne répondait pas, tu pouvais lui envoyer un Wiz. Bon, c'est bon, t'as compris là! Et pour chanter les louanges d'MSN, il y avait cette chanson culte de C-Chain, Génération MSN. Je vous la mets. C'est une simple façon de communiquer, mais l'essentiel c'est qu'elle me fasse exister. Tous mes amis sont connectés, à peine en ligne, tout peut commencer. Il y avait méga vidéo, comme Netflix, mais parfaitement illégal. Ça avait des films sous-titrés en croate ou japonais. Et ça a tellement bien marché que le créateur a fait de la prison. Donc ouais, gros carton, ouais. On téléchargeait nos films ou nos chansons via des peer-to-peer. Tu mettais une semaine à télécharger ton film avec ta connexion toute pourrave à 56K. Et très souvent, tu tombais sur un autre fichier que prévu. C'est de la merde émule, en fait. Les buzz internet en 2020, c'était... Avec 50€ là-bas. Les blagues sur Chuck Norris. Ouais. What's up? Bilal, Sparky, mec d'Escar, t'inquiète. 92, FR. Y'a rien à faire. Moi je me rappelle encore des paroles par cœur. L'emblème ultime des années 2000, c'était ça. Le Nokia 3310. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais j'avais pas tenu ça depuis des années. Et en fait, c'est minuscule, c'est microscopique. Ce portable a eu une hype. Ceux qui l'avaient, ils étaient au max. Tu pouvais jouer au Snake, mettre des sonneries connues, changer la coque. Moi frère, j'avais le bon vieux Sagem, inconnu. Excusez-moi, vous auriez un chargeur de Sagem MW3026? Après, j'ai eu le Alcatel OneTouch 511. Alors là, on rigole plus du tout. Je me rappelle, sur la boîte, c'était écrit « son polyphonique ». Alors, je vous fais écouter à quoi ressemble un son polyphonique. On va pas se mentir, on s'est pris une claque. Le son est énorme. Quant aux photos, par contre, avec ce téléphone, bah, il n'y en avait pas. Voilà, à la place, on avait ceci, des appareils photo numériques. Très relou à transporter, ta poche était énorme. Mais voilà, c'était plein de charme, putain, on était vraiment des retraités. Ça, c'est 600 millions de pixels par photo, ouais. À quoi? Ma vie sexuelle? Parlons plutôt photo, ça te dérange pas. Alors ouais, au niveau du piqué, il y a aussi eu le Nokia N-Gage, un mix entre une console et un téléphone portable. Et les ventes, ça a été un mix entre échec et bide. Mais bon, à l'époque, on kiffait de ouf avec les portables, on se la racontait, je te jure. Avec ça, les gens se la pétaient. Comment tu vas, toi? Allô? J'ai plus de crédit. Ouais, parce qu'il fallait acheter des cartes pour mettre des minutes d'appel sur ton téléphone. Il y avait même des forfaits 10 textos. La tristesse du truc. Du coup, quand t'envoyais un texto, fallait vraiment que ça vaille le coup, quoi. Je... te quitte. Ah bah désolé,
Plus de texto. Fallait appuyer 3 fois sur la touche pour faire un C, 4 fois pour faire un S. Toi, tu mettais 15 minutes à écrire un texto, quoi. Voilà pourquoi on faisait tout pour écrire court. Et c'est comme ça qu'est né le langage texto. Du coup, on avait pas mal recours au téléphone fixe. Alors, on se bipait avec le téléphone portable pour se rappeler avec le fixe. Le truc pourri avec le téléphone fixe, c'est que tu pouvais pas du tout t'isoler pour avoir une discussion perso. Et du coup, t'as réussi à mettre la capote ou pas? Maman, tu peux partir? Bah attends, je veux savoir la suite, moi. D'ailleurs, de nos jours, pour se donner un rendez-vous, on se voit tellement de messages, de localisation et tout que je me demande comment ils faisaient à l'époque quand il y avait que le téléphone fixe, quoi. Les gens, ils devaient bien programmer leur rendez-vous à l'avance. Rendez-vous mardi 8 février devant la poste. Au revoir. Ok. Puis en 2007, il y a eu le premier iPhone. Et tout le monde s'en foutait. iPhone, ça marchera jamais ça, vous êtes sérieux ou quoi? Nokia les gars. En même temps dessus, il n'y avait pas la 3G, pas de flash, pas d'application externe. Mais en fait, ils se foutaient de la gueule de qui Apple là? Oh! Bon, niveau culture, il y a tellement de trucs que je vais vraiment survoler le sujet vite fait. En gros, à la radio, il y avait... À la télé, il y avait... Quelle est la femelle du lièvre? La levrette. Faites-tu le patron? Et pour le petit fun fact, Kim Kardashian était l'assistante de Paris Hilton. Je suis un agitateur. Bah ouais, c'était les premières télé-réalités. À l'époque, c'était un truc de ouf, ça n'existait pas, tu vois. Dites-vous que nous, avant ça, comme émission de référence, on avait le big deal. Donc ouais, c'était un choc, ouais. Enfin, l'émission dont j'étais ultra fan quand j'étais petit, les Minicums. Si un jour j'avais su que j'aurais ma propre marionnette dans les Minicums... Faux! Les mammouths n'existent plus. Normie. Ouais, j'ai ma propre marionnette dans les minicums, ouais. Alors certes, l'émission c'est pas la même qu'à l'époque, mais ça me fait quand même ultra plaisir, je suis tellement fier. Bon après le casting, clairement, ça n'a aucun sens. Clairement, je ne connais pas du tout Rihanna, ni Paul Pogba, dont je prononce très mal le nom. Là, on a parlé des souvenirs cool, mais les années 2000, c'était aussi plein d'événements marquants, beaucoup moins marrants. Il y a plein d'événements qui ont marqué les années 2000, il y a eu le passage à l'euro. Au-delà du 33-10 et des petites babioles, c'est vraiment une période qui a, comme toutes les périodes, marqué l'histoire et qui était faite de plein d'événements de ouf. Alors évidemment, j'ai pas pu parler de tout dans cette vidéo parce que si j'avais parlé de tout, ça aurait fait un documentaire de 3 heures. Donc j'ai fait une petite sélection perso des trucs qui m'ont le plus marqué. Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans les années 2000? Dites-le dans les commentaires, j'irai lire, ça m'intéresse vraiment. Ça se trouve, on fera un épisode 2, qui sait. Évidemment, mettez un petit pouce en l'air pour donner de la force. Envoyé. Oh putain, j'ai plus de crédit.